Bonjour, monsieur. Il y a plein de nexomones type... Il y a plein de nexomones de type feu. Je vais y arriver. Il y a plein de nexomones de type feu dans le coin. Au secours, quoi. Oh oui, c'est un volcan. C'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est que la température de cette région monte en flèche à cause d'eux. Enfin, ça peut pas être que à cause des nexomones. Oui, c'est un volcan. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Je vais te dire, si tu peux réduire le... Attends, on va réduire la population des nexomones de feu, rien que pour ça? Vous vous foutez de moi, l'ensemble, hein? Je te donnerai une récompense sympa. Et par réduire, je veux dire capturer, hein. Je ne pense pas avoir besoin de clarifier cela. A few moments later. Incroyable, ça va certainement faire diminuer la température. Beau travail, Silver. Beau travail, en effet. Oui, je suis pas très convaincu. Grâce à toi, la chaleur va disparaître à jamais, Silver. Oui, c'est un volcan. Alors, je vous permets pas de me juger. Parce que, d'une part, ça reste une quête secondaire. Ça m'horrifie réellement d'aller là-bas. Mais, ça reste une quête secondaire, quelle horreur. Je peux pas l'ignorer. Et en plus, la curiosité me dévore. En plus, c'est ça le pire. Oh, je suis une horreur sans nom. Oh, Silver, tu es revenu. Malheureusement... Oh! On s'en fout, on se casse. Au revoir, merci, au revoir, c'est bon. Voilà, parfait. J'adore rire. On est à Parum. Parum. Je sais jamais comment prononcer le nom de cette ville, hein. C'est affreux. Niveau potion... Déjà, combien d'argent j'ai? Pas mal. Je pourrais peut-être prendre quelques potions normales. Le niveau des renaissances, ça va. Les élixirs, ça va. Ouais, je vais prendre quelques potions normales. Oui, bonjour, Cooper. Est-ce que tu... 80 pièces, alors que la cité d'Ignitia, ça coûte que 50, quoi. Ça coûte 50 pièces. Parce que je suis considéré... Enfin, Silver est considéré comme un héros là-bas. Bonjour, Oli. Voilà, merci. Je me sens mieux maintenant. Il y en a une qui va me traiter de cupide. Je le sens. J'en mettrai ma main au feu, hein, qu'il y en a une qui va me traiter de cupide. Hein. Personne que je connais très très bien. Qui va... pas se... Qui va totalement se lâcher là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une quête secondaire ici ou pas du tout? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est lui? On dirait un Ross bronzé. J'ai pas d'autre terme que ça, hein. Reculez, bande de voyous. C'est pas toi le voyou plutôt? C'est la troisième fois qu'on doit te faire sortir de ce bâtiment. Amélie veut te dire deux mots, morveux. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Vous cachez quelque chose de tordu. Oh, il les défonce en plus. Hein. Ah ben, il va tout seul. Hé, reviens! Ah, il est retourné dans le dirigeable. Bonjour. Cela te dérangerait-il de chercher ce garçon et de l'appréhender? Tu nous rendrais un grand service. Où essayait-il de s'infiltrer? Une station abandonnée aux îles Drake. Elle est peut-être abandonnée, mais il y a toujours de l'équipement important à l'intérieur. Il est incroyablement obsédé par ce bâtiment. Ramène-le-nous, s'il te plaît. Je suppose qu'on peut aller chercher à l'intérieur du dirigeable. Merci beaucoup, Silver. Ne laisse pas ce morveux te duper, c'est un bon à rien. Je ne sais pas qui c'est, mais en général, on n'agit pas... Enfin, dans ce jeu-ci, c'est un peu du what the fuck, la manière dont les gens réagissent, mais...
Du coup, ben on va les voir. Bonjour, on voudrait aller sur le dirigeable. Bonjour monsieur, le dirigeable est prêt à partir. Allez-vous aux îles de Drake aujourd'hui? On y va? Eh bien oui, allons-y. Oh, il semblerait que tu n'aies pas de billet de dirigeable. Va t'en procurer un au comptoir à gauche, s'il te plaît. Ah, il en faut un! Ok, moi je croyais que je montrais le badge Drake et c'était bon. Ok, d'accord. Bienvenue en hangar. Si tu souhaites utiliser le dirigeable, tu vas avoir besoin d'un billet. C'est un achat unique. Tu peux voyager autant que tu veux avec un seul billet. Oh, c'est cool. C'est un mauvais modèle économique. Ouais, c'est pas faux. Vu comme ça, forcément. Mais c'est... Attends, Coco. T'as pas vu la thune qu'on a dans notre inventaire? C'est un programme spécial juste pour les dresseurs. Prends ton billet maintenant. 200 pièces quand même, hein? J'ai 600, mais... Bon, ça y est, on est pauvres. Voilà, c'est foutu. On est pauvres. Oui, donc on y est. Bon voyage, Silver. Avant que ces types ne fassent faillite. Attends, Coco, que nous, on va faire faillite. On n'a que 410 pièces, hein. On est moins bien lotis qu'au début. Au début, on avait 500 pièces. Au tout début du jeu, hein. Je parle. Oui, on y va. D'accord, alors, venez me suivre. Wouah! J'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais pas ça comme ça du tout. C'est incroyable. Wow, cet endroit est sympa. Ouais, j'avoue, t'as raison, Coco. J'ai entendu dire que beaucoup de dresseurs visitaient les îles Drake pour capturer des petits dragons. Oh, ok, cet enfant étrange doit se cacher quelque part par ici. Regardons autour pendant que le dirigeable bouge. Il avait une espèce de crâne au-dessus, il me semble. Oh, je peux voir Parume d'ici. Je peux aussi voir la déchéance et l'anéantissement atroce que notre monde est en train de subir alors que nous luttons dans une bataille perdue de longue date. Oh, je peux voir ma maison d'ici. Trop bien. Ouais, changement... C'est vraiment... changement de conversation un peu bizarre. Si bruyante, cette femme chante exactement la même chose en répétition. J'ai pas été voir ce qu'elle chante. Donc... 20 pièces pour me... Non, ça m'a pas remboursé Ça m'a pas remboursé du tout même mon prix de... mon billet. Fais-moi savoir si tu remarques quelque chose qui ne va pas dans le dirigeable. Oh, vous pouvez réparer un dirigeable en plein vol? Quoi? Non, bien sûr que non. Je veux juste savoir quelles sont les zones à éviter. Oui, il y a plusieurs cabines. Bonjour. Ceux qui deviennent grands maîtres ont droit à un dirigeable personnel. Mais pourquoi? Tu as trouvé compagnon rapide. Ah ouais, d'accord. C'est pour... Mais j'aime bien mon Lume. J'aime bien celui qui me suit en ce moment. Il est mignon. Et en plus, c'est celui que j'ai normalement, de base. Là, c'est les stockages. Intéressant. Eurus est un tyran puissant qui vit aux îles de Drake. Cependant, il est un peu étrange. Il n'est pas agressif à proprement parler. Il passe la journée à dormir près d'une cascade. Intéressant. Eurus, c'est le tyran, je rappelle, de Lydia. Celle qu'on va aller voir. Bonjour, je viens piller vos affaires parce que là, franchement, je suis désolée, mais on est vraiment pauvres. Hein. Là, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Hein. Les dragons peuvent avoir des goûts très difficiles en nourriture. Le village aux îles Drake vend probablement ce que tu as besoin. Ah ouais, d'accord. Déjà que nos bestioles à nous, elles sont difficiles en termes de nourriture, alors si même les dragons s'y mettent. Là, c'est quoi? Si je peux l'attraper, une potion. Très bien. Bonjour. Ah, c'est lui. J'étais en mode... Ah, oh, bonjour, c'est le cuisinier. On est dans la cuisine. Qu'est-ce que vous préparez de bon? Et en fait, c'était lui.
cette coïncidence qui n'est pas vraiment une coïncidence. Enfin, si, c'est une coïncidence, parce que je n'avais pas reconnu que c'était lui, en fait. Il était de dos. Bonjour. Toi, tu es venu pour me ramener, n'est-ce pas? Quelle est ton obsession pour ce vieil endroit? Tu ne peux pas me duper, la guilde fait quelque chose qui a énervé les dragons. Oh, intéressant. L'endroit a été abandonné parce que les dragons n'arrêtaient pas... L'endroit a été abandonné parce que les dragons n'arrêtaient pas de le prendre pour cible. Ouais, bah les dragons sont stupides et qui s'en soucient. Je suis pas d'accord, Coco. Je suis sûre qu'il y a une raison à ça. Ils ne sont pas stupides. Les dragons agissent dans un but précis. Je suis d'accord avec lui. Vos gens faisaient quelque chose de terrible dans cet endroit et personne ne me croit. On va pas lui parler de l'œuf quand même. Hein. Quoi que ce soit que vous cachiez, je vais le montrer au monde. Ce serait bien que tu ne le fasses pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui a mis les dragons en colère. Hein. Moi, en fait, je parierais que c'est l'œuf qu'on essaie de faire éclore, surtout. Vous semblez être des gens raisonnables. Laissez-moi vous montrer l'endroit, au moins. Allez, il n'y a pas de mal à ça. On ne peut pas faire ça, on a un travail à faire. Allez, laissez-moi vous donner ça. Tu pourrais me donner de... Es-tu en train d'essayer de nous soudoyer? J'avoue que là, mais déjà, tu fais pas d'effort là. C'est honteux d'essayer de nous soudoyer. Si tu voulais vraiment nous soudoyer, tu nous aurais donné 200, le prix de notre billet. Donc bon, voilà, quoi, c'est pas terrible, quoi. Nous sommes des dresseurs d'argent, ça ne va pas marcher. Coco, la tête que tu fais, mais c'est pas du tout, c'est pas convaincant du tout. On a pris l'argent. On vient de le prendre, mais qui est-ce que tu essaies de faire gober ça, franchement? Et ça? Gars, arrête de gaspiller ton argent. Sérieux, il va nous rembourser notre billet, là? Et arrête de me prendre son argent, Silver. Ah non, mais c'est ça le pire, c'est que... Notre perso prend son fric, hein. C'est horrible. Et avec ça, ça nous fait 150, là, non? Bon, tu peux nous montrer l'endroit. Oh non, mais c'était trop pitoyable. Hein. Je suis désolée, mais là, mon perso, c'est vraiment... J'ai dit que c'était un simplet, mais pour ça, franchement, il n'est pas simplet, hein. Excuse-moi, il sait très bien qu'est-ce qu'il faut prendre, hein. Et Coco a l'air d'être d'accord. Oui, c'est tout ce que je demandais. Et il était fier. En fait, moi, c'est Léo. Dès qu'on atteint les îles Drake, je vous y emmène. Vous n'allez pas le regretter. Je le regrette déjà. Oh non, c'est horrible. Je croyais qu'on était dans une cuisine. Du coup, vu qu'il y avait de la nourriture un peu partout, j'étais là en mode, oh, le cuisinier. Qu'est-ce que vous préparez de bon? Et c'était le mec. Ok, d'accord. Oh, on peut sortir du dirigeable en descendant par là. Merci, parce que je l'aurais pas deviné toute seule. Souhaites-tu quitter le dirigeable? Bah, on n'a rien d'autre à faire. Ouais, on a tout fouillé, oui, on peut y aller. Oh. Alors, j'aime bien la musique. Et franchement, j'adore cet endroit, il est trop beau. Oh, c'est super joli ici. Les îles Drake. Ah, j'imaginais pas ça comme ça, moi. Wow, c'est donc ça, les îles Drake. J'ai entendu parler d'un village spécialisé dans la capture de dragons. On pourrait y apprendre une ou deux choses. Ouais, ça peut être intéressant. Bonjour, mademoiselle. Méfie-toi des bandits. Même dans ce pays, on a notre lot d'ennuis. Il y a un petit marché pas loin que tu puisses faire des provisions. Merci. Secondaire, apparemment. Notre village a des artisans très compétents qui peuvent faire des nexotrapes spéciaux. Oh, cool!
Des dresseurs avancés viennent de loin juste pour les rencontrer. Si on rentre dans la baraque? Eh, hey, mais... Y a rien à prendre. Ok, on s'en fout. La baraque est super jolie. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est super stylé. J'aime beaucoup la maison. Bonjour. Es-tu nouveau dans le coin? Oui. Tiens, un petit cadeau. Oh, mais les gens sont super sympas, hein, ici, mine de rien. Moi, j'étais juste venue pour que cette personne me dise un peu plus sur la région, mais je pensais pas à un cadeau, quoi. Tout au nord, il se trouve que le laboratoire est au cœur du village. Et on a un peu de chance. Eurus ne sera pas en train de garder l'entrée. Eurus, c'est le tyran de Lydia, pas vrai? Ouais, le tyran du vent est super fort. Ah, c'est un tyran du vent, ok. Allez, dépêche-toi. Il a l'air excité, le mec, ici. Ah ouais, les maisons sont grave stylées, j'aime beaucoup. Franchement, elles sont très très jolies. Lydia. Bonjour mes amis et bienvenue aux îles de Drake. Par ailleurs, vous êtes suivis. Hein? Tu as un sens aigu, mais ça ne changera rien contre nous. Nous sommes l'épée du roi des monstres. Oh! Nous sommes la succession de l'ancien Nexolord.